6h-9h. Good morning, Safran. C'est dingue, c'est une première mondiale et ça se passe dans Good Morning Safran. Je retire ce que j'ai dit avant. je précise pour tous mes fans. Je vous aime. Vous l'entendez, il est là, Kalash est venu chez nous sans sa cagoule. Oh, je mélange tout. Mais non, Gianni, c'est pas Kalash criminel là, c'est Kalash tout court. Il vient de Martinique, lui, pas de ce vent. Martinique, j'aime bien Martinique en plus, là. Ouais. Presqu'île de la Caravelle, le marché Fort de France, l'école Aimé Césaire, l'aéroport Aimé Césaire, la bibliothèque Aimé Césaire, le gymnase Aimé Césaire, le strip club Aimé Césaire. Lui, il serait en copain, lui. Hein. Bon, Kalash, par chance, j'avais prévu un plan B, surtout que je kiffe ton son avec Fianso. Damso, décidément, dis donc, en vrai. Ah, il me donne des palpitations. Moi, Camoul avec Fianso. On l'a trouvé dans un concert de techno. Avec un clip totalement lunaire, oui, mais en vrai, vous n'étiez pas sur la Lune. Vous avez tourné où ce clip-là ? À Las Vegas. Ouais. C'était pas sur la Lune. Vous avez menti aux gens. Ouais. Mais voilà, c'est pas bien. Manipulation, tout ça, Illuminati. Et bien, par chance, dans Good Morning Safran, on a la téléportation. Et grâce à moi, Kalash, un peu pour m'excuser de toutes ces embrouilles, là, tu vas devenir le premier Martiniquais sur la Lune. Ouais. Est-ce que t'es prêt pour la téléportation ? Je suis prêt. Est-ce que tu veux me tenir la main ? Ah. Non. On y va comme ça. Je te suis. Les gars se sont complètement téléportés. Ils ne sont même plus dans les studios. Dans les studios. Hey, vous allez voir ça, les effets spéciaux sur Move.fr sont complètement dingues. C'est un truc de ouf. Alors on va essayer de voir s'ils sont bien arrivés sur la Lune. Gianni, Kalash, vous êtes là ? Ici la mission Aimé Césaire 13. Nous vous recevons, Pascal Sefranc. Kalash est à mes côtés. Yeah, maman. Ok. Nous sommes en train d'atterrir sur la Lune. Alors, Kalash, qu'est-ce que tu vois ? Raconte-nous. Pas des culs. Il y a quoi sur cette Lune ? Des culs. Il a pas tort. Pascal, nous allons ouvrir la porte et descendre sur la Lune. Ok. Ça y est, c'est l'heure. T'as fait pipi, Kalash, parce qu'il n'y a pas de toilette sur la Lune. Allô ? Ça y est, c'est l'heure. C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour la Martinique. Je te laisse le dire en créole, Kalash, vas-y. C'est Chewbacca, ça. J'ai l'impression que l'altitude lui fait du mal au cerveau. Sefran, tu voulais lui demander quelque chose ? Bah, il faudrait qu'il en profite, là, vu que c'est le premier homme à faire un discours ou à chanter sur la Lune, qu'il en profite. Surtout qu'on a du public, écoutez, il y a plein d'extraterrestres ici. Bon, c'est pas non plus plein, on dirait le concert de Rimka à l'Olympia. Mais c'est pas mal. Vrai, en plus, c'est allez, pas vrai. Kalash, on t'écoute. Trace, on t'encule. Oh bordel, ils ont pas du tout kiffé. Non, on parle pas comme ça de la concurrence. Dessus, les gars. On se fait tirer dessus. Sauf toi, Kalash, cours. Tu diras qu'est-ce qui se passe ? On se fait tirer dessus par les extraterrestres. Kalash, rentre sur Terre, ne m'attends pas. Tu diras à ce franc que c'était pas volontaire. Je m'excuse, moi et sa meuf, on était bourrés. Good morning, Safran. C'était n'importe quoi. Est-ce qu'ils vont revenir un petit peu sur Terre ? Parce que là, il faut qu'ils reviennent un peu de la Lune. Ils étaient totalement dans l'espace. N'oubliez pas de poser en tout cas toutes vos questions à Kalash avec le hashtag Kalash sur Move. Non pas Kalash sur Moon, hein, il est pas sur la Lune. Kalash, comment c'était la Lune ? Cette expérience avait l'air incroyable. C'était incroyable. Ouais. Des boules partout sur la Lune. Des boules partout. Des boules partout. Oh là là, on était bien. Ça donne envie. En tout cas, il y a eu des confessions à la fin. L'album, on l'a entendu, on l'a bien entendu. Moi, en j'assume plus, pas. Hein. La collection Lune-Terre, aucun problème. Vous écoutez Move.